l'eau à travers ça, ça traumatisé moi. J'ai cette mari là, là-haut. Toute l'eau à part par lui. Son rivière. Non, mais nous là, depuis ça, j'ai bénéficié. Ah oui, ça m'a traumatisé. C'est très ça. A bien sûr tout de suite répondu avec la mise à disposition donc de packs d'eau, de citernes, qui a mis aussi à disposition donc une cinquantaine donc de matelas qui ont été distribués à la population, des denrées aussi, sans compter donc l'aide technique et logistique apportée par le conseil régional. C'est-à-dire que ça a été une aide précieuse qui nous permet aujourd'hui donc de répondre au mieux aux attentes de la population, et ça encore ça nous touche, et on remercie donc de nouveau le président de région ainsi que l'ensemble des élus de la collectivité régionale qui portent donc leur soutien et toute leur solidarité à la population capestrienne. Ça me met en porte-à-faux avec ma production elle-même. Donc je ne peux pas travailler correctement comme je travaillais auparavant. C'est bien qu'ils soient venus parce que en regardant visuellement à la télé, c'est pas parlant. C'est en venant sur place, en voyant les dégâts, il va constater par lui-même. Et donc c'était très important ça. Entreprises que nous sommes venus les voir en force. Il faut nettoyer les entreprises, il faut peut-être changer les appareils puisque vous savez l'eau a tout emporté sur son passage. Ça fait vraiment de la peine de voir les gens dans cette situation. Les gens des îles ont le moral, mais il faut qu'on puisse les accompagner. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de vivre et ils ont besoin qu'on soit là avec eux.